Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc le code sera en description, en commentaire épinglé, merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est le 15109515206. Donc voilà, vous entrez ce code, le code sera aussi également en description, en commentaire épinglé. Vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais si vous le mettez, ça soutiendra à fond la chaîne. Donc merci énormément. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce qu'il s'efface. Donc voilà, par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous. Alors, quand la map est lancée, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Options, lancer le jeu. Voilà, menu, lancer le jeu. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes. Après, si vous êtes pressé, vous n'attendez pas les 10 minutes. Mais si vous avez 10 minutes devant vous, attendez 10 minutes. Et ensuite, faites le glitch pour gagner beaucoup plus d'XP. Donc moi, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 10 minutes. On se retrouve juste après. Ok, donc là j'ai attendu les 10 minutes, maintenant ce que vous faites c'est que vous allez en plein milieu de la map et là vous allez aller par ici. Donc essayez de vous repérer avec la mini carte en haut à droite, donc c'est dans le coin inférieur droite de la mini carte en haut à droite. Donc regardez, je suis dans le coin inférieur droite. Donc d'ici, vous allez calculer 6 carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et au 6e carré, vous mettez une rampe. Donc là vous allez mettre 6 rampes. Donc regardez où est-ce que je me trouve à peu près. Okay. Donc là, vous mettez 6 rampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rampes. Ensuite, quand vous êtes au 6e rampe, vous mettez un plat. Vous faites une émote pour activer un bouton secret qui est juste ici. Voilà, juste ici à droite. Ensuite, vous interagissez avec ce bouton. Là, vous arrivez près de l'aéronef. Vous récupérez des pièces ici. Donc, ça vous donne 2 millions de pièces par 2 millions. Voire 3 millions par 3 millions, donc c'est assez efficace. Donc vous en récupérez quelques-unes. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur des boutons interagir qui sont cachés juste ici. Donc là, normalement, il y en a 11. Je vais tous vous les montrer. Par contre, je vais regarder combien d'XP j'ai. Je suis niveau 13 avec 38 000 XP. Donc c'est parti, on va appuyer sur les boutons. Donc là, vous spammez les boutons. Ensuite, vous continuez par ici. Voilà, regardez, là, il y a un deuxième. Vous spammez. Et un troisième. Vous spammez. Ensuite, vous continuez. Voilà, ah, là il y en a un quatrième. Vous spammez. Continuez. Ok, donc 4, 5. Vous continuez. 6. Vous continuez. 7. Vous continuez. 8. Ok. Là normalement il y en a 2. Donc 9. 10. Normalement, il en reste un quelque part ici. Voilà. Donc là, ça fait 11 boutons. Quand vous avez interagi avec les 11 boutons, ce que vous faites, c'est qu'avec les pièces que vous avez récoltées, ben, vous les échangez contre de l'XP juste ici. Donc hop, vous échangez. Hein. Vous spammez. Et vous échangez vos pièces contre de l'XP. Comme je suis en train de le faire. Ok. Et là, quand ça donne plus d'XP, quand vous ne gagnez plus d'XP, ce que vous faites, ben, c'est vous relancez le glitch. Donc, vous arrêtez la partie et vous relancez le glitch en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc là, j'étais niveau 13 quand j'ai commencé. Maintenant, je suis niveau 17. Donc, ça fait que j'ai gagné 4 niveaux plus ou moins. Ouais, j'ai gagné 4-5 niveaux. Donc, ça fait, on va dire, 360 000 XP, j'ai gagné. 320 000 XP, j'ai gagné plus ou moins. 320 000, 350 000. Donc voilà, en un seul glitch, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.